Voilà, est-ce que vous avez des questions sur le texte? Emblème, c'est quoi le premier mot? Emblème. Emblème, est-ce que vous comprenez le mot symbole? Ah! Et oui. France no 小説あ物語の代表みたいな感じですか、シンボルっていうか。C'est symbole, c'est ça, c'est le symbole, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très importante dans la littérature française. Donc c'est un emblème. Emblème. Emblème de la littérature française. Alors, si on met Daiyo, c'est représentant un petit peu, mais ça ressemble, hein. Mais l'emblème, c'est vraiment, vraiment, hein, c'est fort comme mot. C'est un mot qui dit que c'est vraiment quelque chose de très important et qui a un symbole. C'est vraiment le symbole qui est important. Le symbole de la littérature française. あとこの全部単語の意味は分かるんですけど、ルプルコニュっていうのは最も有名で、デゾーブルっていうのは開く、え、見る、開ける、œuvre、œuvre、œuvre。Alors, on rep... Alors, œuvre. œuvre. œuvre, ça veut dire c'est comme chaussetsu. Ah, ça... C'est comme mais c'est comme comment on dit mebutsu. Mais in, d'accord. Ah, Victor Hugo のメインとも言えるのがレミゼラブルということで。C'est ça. Et で次のパフオンミルウィソンソアソンドゥのパフパフって何ですか。Est-ce que vous pouvez trouver le verbe ou pas? Par. Non, c'est le verbe c'est paraître. Paraître, arabareta. Oui, alors. C'est ça, on peut dire comme ça, paraître. Donc c'est aussi, on peut dire chupan, par exemple. これは、パレトル、パフ、ちょっと知らなかったです。で、voilà. で、このイラコニュ、僕、ダダプタション、ダダプタションのアダプタションって意味わかるんですけど、oui, attention, je préfère encore une fois que vous travaillez la prononciation. Faites attention, pour le P, c'est pas pou, adaptation. Et je connais le mot adaptation, mais... Oui. この、すみません、日本語で。この時ってどういう使われ方の意味になるんですか? Alors, ici, il a connu beaucoup d'adaptations. Ça veut dire que les misérables... On a utilisé les misérables pour faire beaucoup de choses. Par exemple, des films, des pièces de théâtre. D'accord? Il a eu beaucoup d'adaptations. Est-ce que vous comprenez mieux? C'est ça. Il a connu, donc, il a eu beaucoup de choses, comment dire, de façon qu'on a pris les misérables pour jouer. Donc on a eu D'accord, じゃあ、映画とかコメディミュージカルとか、あの、舞台とか漫画の世界とかもう全てで受け入れられたということ。 Voilà, c'est ça. あ、なんか、あ、え、あと、イルシメルのメルって、イルシメルって何ですか? Alors, ici Mel, ici, regardez la suite de la phrase. Il s'y mêle des histoires d'amour, de pouvoir et bien sûr l'histoire de France. Dans le roman Les Misérables, il y a beaucoup de choses qui viennent se mêler, se mélanger. Les histoires d'amour, de pouvoir, l'histoire de France, tout ça se mélange à l'intérieur. Barbe mélange, non, est-ce que? Mêler, on peut dire que c'est comme mélanger. Comme Mazelou, un petit peu. Ah, d'accord. Mêlé. Il s'y mêle. Il s'y mêle. Voilà. Il s'y mêle. Ah,
ほう、わかりました。で、次に、トラムドゥフォン。トラムドゥフォン、何ですか？ Alors, la trame, d'accord? On peut dire que c'est comme l'histoire, d'accord? トラムって電車みたいなやつじゃなくてですか？Tram, c'est... Ah non, ça c'est... Si, pardon, vous avez raison. Il y a aussi le tram, mais généralement, il n'y a pas le E pour les trams. Ah, ça... La... D'accord, là c'est plutôt tram, ça peut être histoire, d'accord? Ah, donc maintenant, vous avez donc vraiment bien compris donc, la première partie de ce texte. Mais on va encore travailler un peu la prononciation. Ah oui, c'est très important. Oui, très important. C'est très important. Mm. Donc, je vais lire et vous répétez après moi. Ah d'accord. D'accord. Okay. Essayez de ne pas regarder le texte. Je vais faire petit à petit. Minai ってことですか？テキスト。Exactement. Ah. Oui. Ok. Allez, on essaye. Mm. D'accord. Écoutez bien. La littérature française. La littérature française. Encore une fois, littérature. Littérature. Il faut mieux prononcer. Litté. Litté. Voilà. Rature. Littérature. Alors, et le E, on enlève un tout petit peu. Littérature. 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 Voilà. La littérature française. La littérature française. Voilà. Les misérables. Les misérables. Encore une fois. Les misérables. Les... Oui, les misérables. Les misérables. Présentation. 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 Encore, présentation. Présentation. Emblème de la littérature française. Emblème de la... Emblème la littérature française. Emblème de la littérature française. Emblème de la littérature française. Alors maintenant, je vais vous laisser lire cette première partie toute seule. Vous êtes prête? Ah oui. Oui, allez-y. Tu vas lire. Présentation, emblème de la littérature française, c'est le roman le plus connu des Aubières de Victor Hugo. Encore une fois, prenez votre temps. Le plus connu des œuvres de Victor Hugo. Le plus connu des œuvres de Victor Hugo. Victor. Victor. Victor Hugo. Oui. Paru en 1862. Il a connu beaucoup d'adaptations en bande dessinée, théâtre, roman jeunesse. Film. Roman jeunesse. Roman jeunesse. Encore une fois, roman jeunesse. Roman jeunesse.